Bonjour Thierry. Bonjour Jérôme. Alors approche-toi un peu du micro, hein, okay, parce que ouais. C'est micro. Ouais. Thierry, c'est un spécialiste. C'est un spécialiste de l'ultra distance. Il a fait de la Race Across France et puis là, il est sur le Biking Man. Origine, c'est ton premier Biking Man, mais tu connais l'ultra distance quand même. Alors oui, Jérôme, je connais, mais je suis passé de la pratique du vélo. Je m'étais arrêté longtemps. Après ma carrière modeste de rugbyman, j'ai basculé sur des courses de vélo, modestement en UFOLEP, bon, avec aussi cet esprit pour batailler. Et j'ai dû m'arrêter. Effectivement, les vicissitudes de la vie font que... Et j'ai repris il y a 2-3 ans grâce à deux amis que tu as rencontrés. Ah ouais, alors c'est deux amis. Alors ça, c'était extraordinaire. Je n'ai jamais raconté l'histoire sur Radio Cyclo. J'étais en Espagne, dans un restaurant, dans une ville perdue, machin. Il y avait plus que la mer. Et ben il y a deux gars qui m'ont dit, t'es Jérôme, Radio Cyclo. Bon, on a parlé. Et c'est donc deux de tes amis qui m'ont croisé, voilà, dans un restaurant en Espagne. Et au-delà de donc Stéphane et Mathieu. Donc, on les salue, hein. Voilà, bien sûr. Et je les remercie parce que... J'ai repris goût à la pratique du vélo grâce à eux, effectivement, Pierre aussi. Et donc, je me suis remis, je ne faisais pas les choses à moitié. Et j'ai dit un jour, allez, je fais la Race Across France. Et, la grande, 300, la 500. J'ai dit, ben non, je vais faire la grande. Voilà. Et ça a été une drôle d'expérience, une belle expérience. Et là, du coup, alors, il faut préciser, hein, moi je le connais un peu de loin quand même, Thierry. Bon, il est né au pied du Ventoux presque. Hein, donc, on ne peut pas ne pas faire du vélo quand on est né au pied du Ventoux. Effectivement, j'abonde dans ce que tu dis et ça serait dommage de ne pas en profiter. Voilà, ça serait un crime de lèse-majesté de ne pas pratiquer dans cette belle région qui est effectivement le Haut-Vaucluse. Qui est le Vaucluse, le Luberon, ouais, etc. Ouais. Donc dis-moi, donc tu reprends le vélo à un moment donné, tu te dis bah, ultra-distance avec une préparation et là tu arrives sur le Biking Man Origine au Portugal, peut-être que tu en feras d'autres, hein, c'est le risque, hein. Quand on livre en bout, on en fait d'autres. Préparation spécifique, la machine, toi. Alors effectivement, se préparer sur la durée, la pratique du vélo, l'assiduité, l'hiver, des longues sorties. Et le Portugal tombait pour moi bien dans ma préparation, puisque je refais cette année la RAF et on va partir du Touquet pour essayer de rejoindre Mandelieu. Oui, on l'a fait à l'envers cette année. Et donc c'était bien, et puis on sort d'un hiver, et ici au soleil, c'est incroyable, c'est l'été. Alors c'est l'été, alors le Biking Man Origine Portugal, l'année dernière c'était au mois d'octobre, cette année donc avec le même parcours presque, mais avec des paysages différents, un peu séco en sortie d'été, et là avec des beaux paysages fleuris, verts, etc. On regarde avant de s'inscrire sur un Biking Man les beaux paysages qu'on va croiser, parce que le Biking Man, bon, c'est du vélo, c'est aller au-delà peut-être des possibilités qu'on n'a jamais imaginé un vélo ou un sport, mais c'est aussi, je ne vais pas dire du tourisme, mais c'est aussi de voir ces beaux paysages qu'on a sous les yeux, d'admirer. Effectivement, je crois qu'on arrive à un âge où j'ai beaucoup de chance de pouvoir encore faire du vélo assidûment. Et je crois que c'est aussi une récompense parce que on n'a rien sans rien. Et c'est aussi une aventure, donc c'est des rencontres. Tu vois, regarde, aujourd'hui c'était l'opportunité de se voir par l'intermédiaire de deux amis. C'est aussi, comme tu le dis, quand tu as tout donné, se surpasser, aller chercher un peu au fond ce qu'il y a au fond de la machine. Et voilà, et puis oui, la découverte bien sûr des paysages, des gens qu'on rencontre. Et en tous les cas, effectivement, les Race Angels, Didier qu'on voit passer là, des gens charmants qui m'ont accueilli. Je crois que tout m'invite à y revenir. Tout t'invite à y revenir. Est-ce que ta carrière, hein, donc un bon joueur de rugby d'un bon niveau, même si tu n'as pas été pro, puis de manière à ta génération, il n'y avait pas de rugby professionnel, mais ça t'aide un peu d'avoir été sportif quand même de bon niveau, de haut niveau, de préparation mentale, le physique, bon, il faut se préparer, mais est-ce que ça aide un petit peu à tenir, puisqu'il faut, il faut du mental, et que tu as eu l'habitude, toi, en sportif de haut niveau, de te préparer là-dessus? Oui, alors modestement, je vais dire que j'étais pas un sportif de haut niveau, je ne veux pas te contredire, mais j'ai toujours en tous les cas fait les choses avec passion et voilà, donc modeste, un joueur de national, fédéral 2, plutôt fédéral 2, voilà.
et quelques clubs de groupe B à l'époque, puisque c'était un autre sport, le rugby, qui a super bien évolué, qui est plaisant à regarder maintenant. Le sport évolue, et tant mieux. Et donc oui, alors cet esprit, cette pugnacité, ces entraînements à la dure, parce qu'à l'époque c'était dur, on avait deux remplaçants, et jouer ceux qui avaient la caisse, ouais. Ceux qui avaient... Si donc, t'étais blessé, tu continuais. Hein. Ouais, voilà, oui, moi il m'est arrivé de finir un match avec une clavicule cassée, même de le commencer et de le finir. Moi j'ai le souvenir, tout le monde est nation, Walter Spanghero, un bien connu, qui a fini avec deux côtes cassées. Hein. Bien sûr, donc oui, alors bien sûr qu'il y a un transfert, bien sûr que ce goût de l'effort et d'aller au bout de soi m'aide dans cette pratique. Mais je prends ça que pour c'est que pour moi du plaisir. Voilà. La notion de plaisir est déterminante aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de chance, tu vois, on parlait avec Clément tout à l'heure, on va aller Clément Clisson hein, qui a gagné Charles pour le déjeuner, Clément qui a gagné la RAF, qui a gagné un Biking Man ou plusieurs. Ouais, c'est fabuleux ces rencontres. Et après c'est fabuleux, c'est les rencontres. C'est fabuleux aussi de transmettre, de partager, de transmettre. Et je suis sûr que tu transmettras. Et qu'il y aura d'autres potes qui un jour vont faire le Biking Man avec toi. Alors je pense, alors déjà j'ai un bon copain de Port-de-Bouc, Émile, là qui faisait de la pratique, qui montait de Port-de-Bouc dans son chalet, je crois dans le Val d'Alos. Et là il m'a rejoint, et cette année il va faire la Biking Man en Provence, PACAL. Ah, PACAL, France, ça s'appelle France, ça part du Cannes. Je crois le... Donc Émile, il sera avec Émile toi ou pas? Non, parce que moi je vais arriver, on arrive à peu près deux, on doit arriver à sensiblement au même moment que par la RAF. Vous allez vous croiser au Ventoux? Oui, on pratique ensemble, il vient avec ses copains, là on a fait une belle sortie, ouais, c'est des bons moments de partage. Bon, tu sais quoi, tu dis Thierry, tu dis à Emile que chez Radio Cyclo sont sympas, et dis-lui de venir se faire interviewer bien sûr, au Biking Man France au Canet, ça va nous faire des photos souvenirs, tous les potes. Je n'y manquerai pas, en tous les cas. Bon, mais merci Thierry, merci. Hein, c'était sympa de nous expliquer un petit peu les motivations, la passion de qui font venir, hein, qui font aller sur de l'ultra-distance, et qui font venir sur le Biking Man Origine au Portugal, en tout cas. Merci Thierry. Écoute-moi, merci beaucoup à toi, Jérôme. À bientôt, bon courage. Merci, hein. Au revoir.